2, allez, allez, pousse. Hey, tu vas pas le laisser de battre là. Pousse, allez, encore une. Je vais me chercher la dernière. Allez, pousse, allez, pousse. Salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui le feat tant attendu, on a choisi TJ en premier. Le plus facile en premier. Bon pour l'instant il est loin derrière parce qu'il est plus grand. C'est un 90, on l'a mis bien loin. On va pas le mettre à côté de nous. Pas un 90. Il fait beaucoup de tennis de table, mais nous on est venu pour la musculation, donc on va essayer de lui montrer qu'on fait en musculation et lui comment il s'entraîne. Ok bon je peux faire maintenant si moi. Il va s'approcher, on va être tennis. Donc non, je fais déjà 83. Vous êtes côté le plus fort au tennis de table. Parce qu'ils sont arrivés, je veux dire vraiment pia 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 pia. Ils ont pris une bonne fessée maintenant. En passant en muscu et c'est ça vous, le thème, vous suivez mon entraînement. C'est ça. Ouais, on s'entraîne with me. Premier exo, c'est un peu de la force que vous kiffez en plus aussi. 5 reps, 4 séries et normalement c'est 2 minutes 30 de récup. Donc ce sera peut-être à 2:30, 3 minutes parce qu'on est 3 à tourner. Mais voilà, les gens, si vous faites chez vous, 2:30 de récup. T'as des 70 ou pas ici? Là, mais on. T'es comme au je demande. Grande gueule. Ouais, mais là, il va assumer parce que c'est son métier, tu vois. Il est pas pongiste. Donc ça, c'est l'échauffement de PJ. Et même que moi, il va s'échauffer en montée progressive. Voilà, exactement. Non, c'est pas vrai, on a fait un peu d'articulaire avant et on a fait 5 minutes de cardio. Le ping-pong, c'est du cardio maintenant? Bah ouais. Non, mais c'est vrai, au final, ça fait un échauffement. La prochaine fois, tu viens, tu prends un revers pour le ping-pong. Il n'y a pas quelqu'un plus droit. Il faut savoir qu'il me chambre aussi énormément pour le basket. Donc on se fera un message. Je sais que je vais le rooster, donc ça va. Je suis très confiant. C'est bien calme. Non, après, regarde. Tu me disais, lui c'est pire parce qu'il me critique, mais il s'échauffe, il fait 3 reps pour s'échauffer. Bah tu vas faire de la force, ça sert à quoi, je me crame juste avant. Ah t'es chauffé un minimum gros, abuse pas. Par contre, montée explosif. C'est quoi tes points forts physiques? Niveau de esthétique, c'est les pecs. Mais les je suis pas très fort. Non, c'est un menteur. 140 en RM, je crois. Pec et poil trapèze. Il vient de passer de 20 à 35. C'est pas progressif lui. Moi commence à 20. C'est juste une montée, tu vois, c'est tout. Il y a pas de. Je me suis dit, il va faire 20, 30, 40, 50, soit non. On est venu se blesser de toute façon. Ouais, c'est très bien les journées qu'on passe ici. Ah, ils nous ont fait travailler comme des Chinois, ouais, vraiment. C'est bon, les réveils à 5h du matin tous les jours. Oh, c'est mille excuses. Mais on va quand même le taper, hein. On est là ça, pour le taper quand ça même. Gratuitement en plus. En c'est plus grave, hein. Non, c'est nous, on a charbonné pour finir plus tôt et être tranquille après. Et on vous prépare des dingueries, les gars. Ça, c'est ta première série. Ah, ça, c'est ta RM, toi ou... Tu l'entends là? Non, mais c'est sa première série là. Il est là. Non, mais tu l'entends. Il va être arrogant et comme si moi, il peut pas me taper, je te le dis. Je vais lui montrer que même s'il fait 1m85 et 10 kilos plus que moi, je vais prendre ses charges. Non, par contre, donc t'as intérêt à prendre des grosses charges. J'attends. Mais si sur les 60, t'assumes pas, oh là en là. Venant comme ça, en piaillant, on ronfle. Hein. Le mec, tu me dis, ils sont les 70, on verra. Regarde son mouvement. Frère, la terre, elle bouge de 15 cm. Il se fait traiter sur les réseaux. Allez, vous faites ça. Les gens disent que je fais des demi-reps. En vrai, il est en extension complète. Il fait pas des demi-reps, il a des micro-bras. Voilà. Explique aux abonnés. C'est un T-Rex, Plimou. C'est comme ça, il se promène comme as. Mais il est fort. Il est fort. Non, mais j'assume, il n'y a pas de problème. Pas ça, 45. Faut abuser un petit peu. 45, c'est bien. Bon, là, on commence à arriver à des vraies charges. Hein. 45 kilos, les gars. Vous voyez, ils cèdent beaucoup du buste pour rebondir et repartir. Ça s'appelle de la tricheur. Ouais, mais tu vois que l'amplitude est complète. Amplitude complète, mais. Moi, ça touche. Ah, ouais, quand même. Ah, donc toi, tu touches pas. Toi, tu fais les parties hautes des pecs. Tu veux que je me blesse aux épaules ou quoi? Vous voulez que je descende plus bas que ça? Mais tu te blesses, tu te blesseras si tu le fais jamais. Ah, bah oui. Ah, ouais, amplitude complète sur tous mes mouvements. Tu pourras pas m'en voir dessus. Les gars, replay s'il faut, mets tes posts sur la vidéo. Je suis pas sûr là. Si tu t'entraînes toujours en amplitude complète, tu vas te renforcer. Mon pied. Mais tu vas pas me sur les 60. Tu montes jusqu'à. Oh là là, on souffle hein. Toutes les excuses du monde. 4 séries. Si t'as besoin qu'on te les donne, t'hésites pas. Ouais, je vois que on t'assiste sur la montée. Je vous montre ce que c'est l'amplitude complète en bas et en haut. Et regardez le rebond, s'il vous plaît. Donc, il faut vraiment que tu partes d'en bas. Non, mais vraiment, appuie-toi, okay. PJ. Hein, puis Mousse, essaye d'arriver là-haut. Regardez, tu regardez. C'est possible, tu descends vraiment jusqu'en bas. Ça, c'est du trampoline, c'est pas de la musculation, je vous le dis. Attention à tes pieds. Voilà. Un tatami ces pecs, il rebondit dessus. J'attends de voir une vraie amplitude de la part des nordistes. 75 kilos. Hein. Faisant que 2-3, te crains pas gros. Hein. Ah, j'en fais une. Une complète ou une demi? Vas-y, regarde bien. C'est grave. Allez. C'est mytho. Ah, je rigole. Tu veux que je rebondisse sur mon torse? Moi, je fais pas ta technique. Hein. Bon, allez. Oh. Tu vois ce que ça donne, garçon? Là, faut l'aider, je pense. Bon, PJ, t'es une dispute, t'en fais pas 10. C'est bon? T'es un malade. Non, faut le cramer sur la première série parce que derrière, ça va être dur. Il a dit, il fait du 5 et toi, tu veux le cramer sur la première. Vous voulez un tuto ou ça va? Montre que tu rebondis pas, déjà, ça sera bon. Bien sûr que je rebondis, frérot. Au moins, il assume. Allez.
J'ai vu les fesses se lever, c'est nos reps. Hein. Non, non, c'est juste pour se mettre en place. Hein, il pousse bien avec les jambes aussi. Hein. Ouais, ouais. Franchement, on pouvait pas dire que j'ai rebondi là. J'ai non, là c'était propre, c'était propre. En touriste. Eh, c'est grave. Hein. 60 kilos, de bille. Tu en t'assures ou. La première derrière quand même. C'est un enfoiré. Hein. Non, non, mais, non, mais ça peut aider. Hein. Sérieux. Eh, c'est mon poids de corps là. Comment ça, tu fais pas 60 kilos, t'abuses. Quasiment. Non, par contre, arrache-les là, allez. Allez, gros. Concentré. Il en a fait 5, t'as intérêt d'en faire 5, je te le dis. Allez. Fais les 5. Non, c'est bon pour la montée. Moi, tu te crames pas. Une, allez. 2, allez. Garde les talons dans le sol. 3. Attention à tes pieds, PJ. Allez. Pousse. Eh, hey, tu vas pas le laisser te battre là. Pousse. Allez, encore une. Va me chercher une. La dernière. Allez. Pousse. Je suis là, on est là. On... Allez, pousse. Allez, pousse. Pousse, pousse, lâche. Allez. Relâche. Pourquoi tu vas rechercher une, tu fais le mec. Je voulais voir si elle passait. Tu voulais la sixième juste pour l'humilier. Non, non, au moins j'ai. Lui, il en a encore deux dans le coffre, hein, je te le dis. Moi, je passe à 50, hein, direct. Je travaille jamais à 60, moi. C'est des charges de charger, ça. Regarde comment il s'entraîne. Allez. Non, mais lui, il fait semblant, là. Prends les 70. Bon, pour s'entraîner. C'est ça, Pimousse. Ah ouais. Ouais. Allez, gros. Après, je prendrai le chrono, voir un peu combien de temps on a de repos. Allez. Vas-y, cherche une grande amplitude, comme ça, ils vont pas critiquer. Easy. Ça, c'est pour Alex. Oh, j'en avais encore, là, t'inquiète, hein, j'en avais encore 3-4. En fait, t'en as fait 10 12, ah ouais. En détente. Ouais, en vrai, fais 4 séries de 12. Hein. Je te l'ai dit, 60, c'est... je travaille à la barre. Et les haltères, c'est trop facile. Allez, passe la deuxième. 2. 3. Easy. Encore une. Moi, je suis mon programme, les gars. Il est chaud, il est chaud. J'ai l'impression d'être venu faire du cardio. Comme il fait le malin. Allez, tout seul, par contre, tu dis. Ça va là. Bien cramé quand même. Fais-les en slow-mo, fais 12. Je ferai pas 12 sur la dernière si je vais en tempo, je le sais. Ah, j'en ferai pas 12 sur la prochaine, je le sens. Il garde les 60, hein. Ouais. Il a son ego, hein. La cinquième, elle va être dure. 2. 2. 3. Attention, lève pas les fesses. 4. C'est propre, hein. Je veux vraiment pas perdre la face, hein. J'en aurais fait 15 sinon. Je te jure, il veut pas perdre la face. Allez, gros. Combien? 50. Oh, tu vas en faire plus que 5. Hein. Allez. On les utilise pas, il est pas d'araignée. 5. Là, gros. Encore, encore. Il est sec, hein. C'est comment bon, ça? Ouais, il est sec. Ouais, le dos du corps, il est. Hein. Bien, bien. Il est sec. Ouais, j'ai encore un peu de gras. Sec, bonnes épaules. Allez. Je vais dire à lui, il a jamais voulu l'assister, tu me dégoûtes. Je vais pas en faire beaucoup là. Allez, 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 monte les, monte les, monte les, boum. Oui. Allez. C'est à 60. Eh oui, ce sera très bien. Sinon, je vais pas réussir à la prochaine. Mais je vais faire 4 x 5, moi je l'ai annoncé. Tu l'entends? Bah, c'est son programme, il connaît en vrai. Là, il est dans sa zone de confort, tu vois. Chaque mois, vous avez un nouveau programme avec les têtes. Ouais. C'est la première fois qu'il teste cette séance. Dis-leur qu'il faut qu'il rejoigne le nôtre parce que des séances comme ça, pff, ouais, c'est bon quoi. On va voir en vidéo. Il y a un petit programme, si vous voulez faire mannequin. Si vous voulez des hommes, si vous voulez des filles d'hommes, on l'a déconcentré, ça y est. Je pense, voilà, eux leur rêve c'est de fusionner les deux. Je suis la fusion parfaite. Je suis quasi aussi fort que lui et aussi sec que toi. Tu vois, c'est ça la fusion. Non, non. Bah, allez, tu m'as dernière. Pas dit, c'est d'esthétisme. Attends, je vais me les faire en tempo parce que. T'entends. Non, mais est-ce que t'entends comment il se la pète? Va en chercher une sixième si t'es un homme. Jure plus, il fait le malin. Allez, va en chercher une sixième, vas-y. Ah ouais, j'ai un wesh. Oh, 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 oh. Il est parti la chercher. Difficilement, mais il est parti la chercher. Oh putain, j'ai tout le sang dans le crâne. Mais tu vois, c'est bien de varier aussi. J'aime bien le split. Allez, gros. Tu laisseras à PJ après, il va en avoir besoin. On a fini? Bah, c'est vrai. Voilà, ça y est, dernière série. On passe à incliner après. Moi, j'ai fait mes 4 x 5 à 60. J'attends qu'on passe à la partie muscu. Ouais. Allez, prenez pas 4 minutes de repos non plus. Les gars, on est à 2 minutes. 3 minutes maximum. Allez, dernière série. Hein. Allez. Allez, monte les haltères max. Au moins, ils vont pas chipoter. Voilà, allez, ah ouais. Tue-toi. C'est bon, c'est bon. Il m'a dit tue-toi, elle allait pas remonter, j'allais me taper la fille. 12, 12, 8, 7, c'est très bien. C'est beau. Bon, je vous propose, les gars, on va se passer écarté incliné, 8 reps. Dès que t'as fait tes 8 reps, on colle les haltères. Squeeze press. Okay, 8 reps en serré. Si c'est trop dur, juste en développé neutre. Oh, mais voilà, souvent collé comme ça, c'est hardcore, mais ça se tente. Let's go. Putain, merde. Là, tu vas prendre un poids lourd quand même pour le squeeze press, non? Non, mais t'es mort là. Moi, je prends du 18 à l'écarté, je pense. Ah non, on va tenter 20. 20, c'est bien. Mais 18, c'est bien aussi après. Hein. J'ai pas 18. Vous avez pas 18? Non. Ah non, c'est 15, 20, c'est vrai. Combien de reps? 8. 8 écartés et 8 okay. En prise serrée. Et il a des Jordan au pied, j'avais pas vu. C'est un basketteur. Il a bon goût, hein. Oui, c'est un basketteur, un plongiste, mais c'est pas un gars de la muscu. Je suis d'accord. Oh, c'est pas tes haltères que t'avais au coucher tout à l'heure, ça? Non, non, t'as mal vu. C'est l'âge qui fait baisser la vue? Ok, c'est là. Ça va. À cette prise-là, ça a l'air léger quand même.
Non, gros, une fois que t'as fait l'écarté, je te jure que ça passe vraiment bien. À fond. Mais je pense que le plus dur, c'est l'écarté. Ça, c'est un truc, ça va manquer les triceps, moi. Non, je vais pas vous mentir, 20 kilos, ça va. Est-ce que tu l'as vu ou pas la vidéo, genre, on est encore à 2-3 000 abonnés et il vous a croisé dans les toilettes d'un salon d'expo. Ah bon, c'est le moment que je fasse ma série. Tu l'as jamais vu. On se changeait, non? Ouais. Comme ça. On va en parler pendant le chat, c'est 10 000, je pense. Oh là là. Pourquoi t'en parles maintenant? On va manger à table, on va se poser, on va en parler tranquille. Là, c'est mon moment. Il est rentré, il a poussé la porte, il a fait. Ah, il m'en parle depuis toujours. Hein, depuis. Bah ouais. Je lui ai dit non, on va aller les voir. À Lens. À Lens. Lens. Ouais. C'est à faire coller les haltères collés. Ah oui, pardon. À Fitness Boutique, ouais. Ouais, voilà, Fitness Boutique Lens. Ça, c'était cadeau, tu vois. C'était léger, hein, t'as fait semblant. T'as trouvé léger? Bah, si moi je trouve ça léger, c'est vraiment. Non, je te dis, c'est assez léger. Mais moi, je prendrais pas beaucoup plus. Je prendrais 22. Je vais essayer les 24, mais. Sur l'écarté, en fait, il faudrait réussir à bien l'écarter quand même. Après, on peut prendre deux paires d'haltères. Easy. Ok, c'est très bien 20. Ouais, c'est bien. 20, c'est parfait pour moi. On vasculariser un petit peu. Les gars, je vous vois en panique. Après, on va faire un peu de coucher barre à 140, je pense. En série de 12. On va prendre le PR de PJ, on va s'amuser. Je crois que c'est mon PR 140. C'est quoi, 150? C'est 150, série de 10. Je crois, il a c'est déjà bon, fait. Série de 10. J'ai fait 155 il y a 2 ou 3. Oh, série de 8, 9. Je pense que là, je suis au-dessus. C'est beau, hein, il y en a pas beaucoup qui font 150. Tu sais que les gens, ils te voient maigre. Au cas où. Je te jure que c'est vrai. Les gens, ils pensent que t'es une merguez en vrai. Non, mais au moins, tu le sais. Il fait 1,85, 86 kilos, je crois. 85, 86. En étant sec. 1,83, 85 kilos. En étant sec. Taille plus 1. Enfin, moi, je vais paraître maigre et petit. Hein, moi, je suis dans. Comme Alex, je suis tout trapu, donc normalement, ça devrait être. Putain, moi, ce deuxième exo. Serré, il me pète hein, les pecs. Ça m'est déjà arrivé, moi je croise un mec à l'aéroport, 2 mètres, 110 kilos. Il me dit, ah, mais moi tu fais tout petit, je t'imaginais énorme. Comment ça? Je dis, frérot, j'ai jamais menti, ah, je suis à 83. Ah non. Ah ouais, ils se rendent pas compte. Je dis, bah non, tu te rends bien compte. Forcément, en photo, ça fait c'est illusion. Pas la même chose. En photo, tu fais illusion de ouf. Non, mais là, ils nous ont mis au même niveau, mais on fait pas la même taille. Hein. Bien, ouais. J'étais un peu plus sec, mais j'étais pas très, pas beaucoup plus volumineux, j'étais plus sec. Va, hein. C'est quand vous reveniez de je sais plus, vous étiez tout bronzé là, vous étiez vraiment incroyable, je sais plus c'était quand. C'est Marrakech, je crois, une fois. En fait, le bronzage, ça joue aussi. Je le sais. Moi, cet été là, je m'entraînais peu, mais j'étais grave sec. Mais j'avais perdu de la masse. C'est le soleil. Mais en fait, même nous en Italie, on rendait trop bien. Nos meilleurs chefs, c'est en Italie. À chaque fois, l'été, on est bronzé, bien, on mange bien. Ah ouais, ça fait toujours plus stylé. Développer épaule, un bras debout. Donc un halter, gainé, bam. Je déteste cet exercice. Après on change. Travaille les abdos, c'est bien. Fais du crossfit, allez. Toi, il a pris 24 kilos là, pour un développé unitaire et une main. Debout. Ça va le faire. Vous voulez en tester un peu plus? Non, non, c'est bien. Non, c'est bon. Franchement, je préfère à la limite finir avec les jambes, mais prendre une vraie charge. Pas plus lourd, je comprends. Je vais m'en rendre compte tout de suite. Si je choque la première, je sens que je vais pas le faire, je prendrai 24. Je pense que c'est lourd. Ça me paraît lourd. En fait, c'est pour se mettre en place, ouais, voilà. C'est la meilleure pour se mettre en place. Ça va le faire. Ouais. Non mais eux ils ont fait une prépa avant de nous voir. Ah ouais, non mais je le sais, j'ai sont partis une semaine au Maroc, tout ça. Ils sont entraînés, ils ont fait un. Ils sont dit on voit les finesses, on va se préparer. Un camp d'entraînement ils ont fait pendant qu'ils étaient là-bas. Ah franchement c'est chaud, 28 kilos c'est propre. C'est énorme 28 kilos. Arrête. Ouais, 28. Ah mais toujours pareil, le plus dur en fait c'est obligé d'être hyper gainé. Ah, j'essaie la première à ce poids là, mais sinon je passe au 24. Avec les grosses épaules que t'as, les épaules de dopé là. Ah mais elles sont pas fortes. Nickel, mais sûr que tu vas les faire. C'est toi le plus fort en fait. Je me casse le dos. Oh Ken, tu veux que je te mets des kicks, ça t'oublie pas comme ça. Non, tu vas le tuer si tu fais ça. Comme me l'abîmer. Allez gros. Je l'ai fait d'un côté, je l'ai fait de l'autre. Commencer par le bras faible. Reste gainé, allez. Boum. Allez. Boum. Tout seul, reste gainé. Je t'assure. Allez. Encore une. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu pensais que t'allais te faire assister par Ouais. Non. Oh, c'est du jus. Ah ouais, non, tu te fous de ma gueule. Nous, on était en neutre après. C'est un peu plus dur. Bon, oh, c'est bon, regarde, tiens, en neutre. En supination, peut-être. Sans. Ah, t'es à l'aise, là. Quel hélichement. Tu sais, au fond de moi, j'ai un peu envie que tu te blesses. Je dis la vérité. T'es pas marocain, t'es italien, donc c'est bon, j'ai aucune chance que je me blesse. Fais en neutre quand même. Juste pour. Mais tout le temps, j'attaque par mon bras faible. Ça, j'attaque bras droit. Ouais, je savais pas que c'était le gauche, mais. Ah, j'ai du mal bras gauche. Tu connais pas ton bras faible? Non, mais j'étais sûr que je t'aurais dit que c'était le bras gauche, ton bras faible. J'ai vu direct. Hein. Je veux que du droit au ping-pong. Combien de séries ça? 3? 3. Yes. Après, c'est quoi cet instant push-up? Je le sens gros comme une maison. Ça. Ouais, c'est sûr. En équilibre, hein, sans le mur, on n'est pas des. Obligé de nous blesser. On n'est pas des chiennes ici. Tu arrives? L'équilibre, oui. Après, ça va être compliqué, mais je peux peut-être faire 2-3, je pense. Il tient. Hein. Franchement, il tient. Eh oh, vous êtes chez nous, là. Mais ça y est.
élévation latérale. Voilà un peu un exercice de long. C'est vrai, hein. Ça m'a épuisé là. Je te jure que j'ai tout donné les trois premiers exos, j'ai plus du. 15. Oh, t'abuses. 14, c'est bien. J'ai pas 14. Okay. 3 séries, 10 reps, 1 minute 30 de récup, 1 15, 1 30, easy. Je fais les trapèzes. Non, les lombaires. Moi aussi, ah ouais. Sur tous les exercices, travaille le dos. Ah, c'est vous bien. Vous êtes aujourd'hui, c'est full body. Vous êtes de ces jaloux. Oui, comment ils dansent sur tous les exercices. Ah, mais moi, au moins, c'est pas coup mal de... après. Ils travaillent. À 15. Moi, je prends 12. Hein. Moi, je suis là pour faire des vrais mouvements. Les épaules, ça va là-dessus. C'est n'importe quoi, ces épaules. Ils m'énervent. Il me parle. Toi aussi, tu bascules. Frérot, t'avances même la tête. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Combien 10 ça va? Ouais, je vais prendre plus léger, moi, y'a pas de problème. Non, là, ça boit suffisamment. Ça va, 10 ça va, non, là, j'étais 10, propre. Bon. Être propre, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire pas prendre de risques pour se blesser. C'est ça. Mais qu'il y ait d'autres muscles qui rentrent en jeu, il est où le ça, problème? Ça, c'est pas grave, c'est pas important. Tu vois, je veux dire, bien sûr que si tu fais du rowing, le but, c'est pas d'être debout et de faire ça pour faire tes trapèzes. Ah, non, mais je suis pas un gros speed, mais t'inquiète si pas. Si tu vois, il y a un moment donné, genre, c'est quoi le problème? Vraiment, tu prends pas de risques. Au contraire, ça permet de passer des paliers quand tu bloques. Faut forcer. Après, sur des exos comme les élévations latérales, je comprends des fois. Moi, ça dépend des séances aussi. Des fois, je prends plus léger parce que c'est des petits exos. Un peu plus léger, 10-12. Tu vas pas sentir les épaules bien. Tu vas les sentir, mais pour moi, t'es en endurance limite. Et je pense que c'est propre à chacun. Moi, c'est vraiment en série longue que je vais les sentir en mouvement bien strict. Ouais, mais en série longue, t'es plus en volume. Ouais, faut mettre un minimum de charge quand même. Longue, c'est du 15-20. Moi, ça va encore. Je trouve pour un petit muscle, c'est raisonnable. Dernière série, les gars. Déjà, let's go. Waouh, c'est facile ces entraînements PG. Non, mais il y a encore des pompes à l'envers, je crois, non? Ouais. J'ouvre ma gueule, mais on est loin d'avoir fini. Hein. C'est le plus dur, il arrive. Si, non, bien sûr, non, mais ça fait du bien. Dur, il arrive après. C'est très dur. Tu fais en déficit ou bien direct au sol? En iso. Hein? Isométrique. Je le faisais à une période. Comment ça en isométrique? Tu restes statique pendant 15-30 secondes. Genre. Oh non. Gros, ça pique. C'est mental en fait, plus qu'autre chose. L'avantage déjà, c'est que c'est beaucoup moins contraignant pour ceux qui ont des douleurs et tout, tu vois. Ça va être dur. Ouais, ouais. C'est comme si tu prends la barre, tu la mets là en fait et t'attends. Ouais, mais c'est pas bras tendus, hein. Putain, ouais, non, je sais. Oh non, ça va être horrible. Ok, hein, c'est bon. Ah non, c'est à Pimous. À Pims. La dernière. Pompe verticale, iso. On se met à peu près à 90, on tient le max. Nous, on suit. Le max. On se chronomètre. Si tu tiens 30 secondes, je tiens 30. Oh, là, tu essaies de faire ton meilleur temps, c'est ça? Bah, j'ai jamais fait, donc j'ai pas de temps à battre, mais ouais, là, je reste le max. Donc, si on fait une seconde de plus que toi, c'est bon. Exactement. Allez. Mais après, j'ai deux séries, hein, pour trop battre. Ah ouais, à 90. Allez, les gars, testez chez vous, c'est pas facile, ça. Bras à 90, là, l'épaule, elle est en train de morfler. On a 10 secondes. C'est tout? 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, c'est dur. Go! Bien, bien, bien. Et le sang qui monte à la tête, c'est normal? Ça fait partie de l'exercice. Frérot, souffle. Je suis à combien? T'es à 12 secondes. Ok, une seconde avant. Non, fallait que tu fasses ton max, t'abuses. Vous voulez encore beaucoup tenir? 20, je les tiens, je pense. Mais là, j'ai des douleurs cheloues au bas du dos. J'ai fait un soulevé de terre pour une vidéo. Je me suis donné à fond. Et je me suis un peu une biche, du coup, je fais gaffe. Go! Allez, résiste. T'as fait des cuisses aujourd'hui, Albino? 9, 10. Il ment, je te le dis, j'ai compté au moins 15. 15. Oh, l'escroc, j'en reviens pas. J'ai pris une crampe dans le dos, moi, gros. J'en ai souvent, moi, des crampes à la con comme ça. Il a un petit cul, hein? Faut s'hydrater, ouais, hein? Pas beaucoup de squat. Faut s'hydrater, il m'a dit. T'as mangé quoi de bon hier soir, PJ? McDo. Allez. Non, c'est trop. Il nous a dit 4 à 5 cheats par semaine, mais léger, des légers cheats. Les double bifs, là, les nouveaux, là, les signatures. Ouais. Tu vois lesquels? Ouais. Ça, un double. Bon, frites, eau et un cheese. Je te jure, tu manges de manière raisonnable. Non, mais c'est pour ça que c'est un cheat meal, mais c'est pas abusé. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas comme la vidéo cheat meal de l'extrême que vous avez fait là. Non, mais non. Où ça a empilé des hamburgers dans le four, après ça a mangé. Oh, c'était n'importe quoi. T'es à 20. Des pancakes et tout. Là, je suis rabat, hein. Va à 30. Je vous vois en double. Va à 30. C'est le dernier exo. 28. Après, il y a les dips. 29. Des dips. Oh, 30. Bien, Joe. 30. Battez ça chez vous, les gars. 30. Ouais. T'es en détente en vrai. J'étais en détente. J'étais bien là, tu l'as vu. Sacré grande séance. Faisais la tête au sol, nous on discutait, on n'a pas fait gaffe, tu sais. Et à la vidéo. Ah, sa mère. Ah, là, c'est un avantage d'être léger, tu vois. Ah, bah oui. C'est un 14 kilos que je lève. Go. Tu vas le remettre dans ton programme, ça va, Albino? Ça, moi, je le fais, hein. Mais lui, je l'ai mis en handstand push-up, pas en iso. Ça, c'est bien, les gars, si vous voulez mieux ressentir vos épaules en fin de séance. Série. C'est bien, si en fait, vous moi, je le fais en mouvement quand c'est en premier ou deuxième exo. Là, ouais. Théoriquement, on a quand même les épaules un peu cramées. Et je l'avais jamais testé, pour être honnête, en iso. C'est la première fois que je mets dans mon programme. Mais là, en fin de séance, tu serais capable quand même de monter et descendre, je pense. Ouais, en faire quelques-unes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, allez, là, faut que je batte 30. Ouais, j'ai démarré déjà le chrono, hein.
pas le droit de battre 30. Hein. T'es à 3. J'ai envie de mettre 6. Des kicks. J'avais envie de mettre des kicks. 15. J'ai marre. Encore 3 séries. Ouais. Ouais. Mais tu vois, je me sentais mieux sur elle. J'avais plus écarté les mains. Oh, le mauvais départ. Tout à l'heure, je m'étais trop serré, moi. Go. Mais c'est en dynamique. Non, triche ça, pas, ça s'appelle pas. De la triche. Pourquoi? C'est plus facile, descends, tu penses? Descends, bien sûr. Bah, tu t'étonnises moins. C'est largement plus facile. Ouais, mais t'as bien vu, j'ai fait 30 sur la première. Pas mal. Moi, c'est plus le bas du dos qui me fait souffrir. 20. On est bon. Faut aller manger. Manger quoi? Commence pas, hein, parce que demain, je vais être gros pour le fit avec Alex. Faudra pas venir pleurer. Je vais juste aller mettre mon effort, j'arrive. Énorme. Un repas, il est gros. Ouais, c'est mal me connaître. Oh putain, il est en lutte déjà. T'aurais dû t'alléger, on devait les Jordan. 8. Bah ouais, mais moi je fais les cuisses, donc je suis plus lourd, tu vois, c'est ça le truc. C'est moi qui se moque. Et j'ai des mollets aussi, donc ça compte. C'est parti en bio. Dips lestés, les gars. Oh, ouais, lestés au poids du corps, c'est bon. Moi je me laisse au poids de corps. 3x8 au dips. Ouais. Assez droit, comme ça on bosse les triceps. En gros, moi c'est la séance push, donc pec, épaule et on finit avec les triceps. Ok. Triceps, okay. Je fais jamais, tu vois. Mais comme Alex, je fais pas les bras en fait. Une belle vue, ça. Tu es en train de haut la cage. D'où il trempe dans le local. On se tient droit, hein, c'est ça? Mais de toute façon, tu pourras pas trop t'incliner, tu vas mettre des coups de tête dans la barre. Montre-lui que t'en fais plus que lui, s'il te plaît. Ah moi, j'y vais au poids du corps. C'est la rime. Je peux pas me lester, ça me fait super mal, moi, les dips. Attention, je crois que la ceinture, tu l'as pas mis à la taille. Tu sais, quand t'as des grosses couilles comme moi, c'est déjà compliqué. Et du coup, ça te permet de faire des demi-reps aussi, c'est ça? Après, j'ai pas des demi-bras, moi, donc chacun son truc. Ça, tu fais pas, tu te laisses pas sur les dips? Je me laisse jamais. Non, c'est pas en fait que je veux pas me lester, c'est que déjà, rien que pour la démonstration avec Jessime, je me suis blessé la dernière fois, je fais presque jamais de dips. Ah ouais? C'est un mouvement qui convient pas du tout à mon corps. Ouais, tu l'aimes pas? Je préfère faire rien. C'est bien. Ouais, tu fais pas les bras. Quoi. Ouais, c'est vrai, frère. Je te jure que c'est vrai. C'est clairement ça, en fait. Y a pas de soin, en vrai. Ben, c'est pour ça que je les fais pas. Je préfère me concentrer sur des points faibles. La même morphologie fesse que toi, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr. Genre, vous m'avez tout normal. Ben, et alors c'est pas encore ce que tu doutes de ta sexualité. Non, mais bon, que les femmes regardent, d'accord, mais vous. On est dans le body, on analyse les corps. Ben oui, c'est normal, y a rien. Y a rien, c'est ça. Non, demain, lui avec Alex, comment il va être, hein. Moi, j'ai hâte de le voir. Pourquoi? Lui, il est fan d'Alex. Il est fan. Il m'a dit, je veux sa vie. Dernière série, puis allez, fais amplitude complète, sinon on va casser la tête. Mais tu veux que je saute aussi, frère, non? Cool la séance. C'était du cardio. Une bonne séance ensuite. Une bonne séance de course à pied. Ils ont arrêté un peu la muscu, vous regarde, t'es en transpide, t'es pas bien, vous êtes mal à l'aise. Cool, y a rien, regarde. En tout cas, c'était une super séance avec le PJ. Il y a son TWM disponible sur le site. Le site, c'est quoi exactement en anglais? Train-osis-mi.com. Il y a aussi les nôtres depuis peu. Donc, allez, jetez un coup d'œil. Tu sais, vraiment, si je veux être comme toi, j'ai ton alimentation, ouais, les compléments que tu prends, comment tu t'entraînes, et vraiment le but, bah voilà, ça permet un peu aussi en fonction de votre physique de départ et à qui vous voulez vous rapprocher le plus. Voilà, on a tous une génétique différente, mais le meilleur moyen d'atteindre un objectif, si je veux être comme Joe ou quoi, bah, c'est de m'entraîner et de manger comme lui. C'est en ayant son lifestyle que je pourrais me rapprocher de son physique. Et on n'a pas triché, les gars, vous avez vraiment nos séances, notre alimentation, nos compléments, il y a tout ce qu'il faut. Donc, allez faire un tour, c'est 30€ par mois, les gars, c'est donné. Même pas, 29,90€. Voilà. Ah, ils jouent, hein. Ils savent juste, ils sont forts. C'est money time, hein. On les connaît pour ça. Donc, allez faire un tour, puis voilà, on peut conclure. On peut se mettre à poil. Tout nu. Allez, il veut des bâches. Sur notre chaîne, il n'y a que des hommes. Que des hommes. Tu vas te régaler. Tu vas recevoir des petits DM, là. C'est vraiment un T-Rex. Tu sentais ce. Petit bras. Je l'ai dit, je suis trop petit. Regarde mon mouvement, il est ridicule. Bah, beau physique, les gars, en tout cas. Merci. Pensez à prendre les trainings. Vous voulez, on fait un petit code promo quand même. Offrez-leur une semaine gratuite. Ça, je suis comme chaud. Ça, vous avez une semaine pour tester gratuitement leur programme. Les gars, il y aura une semaine gratuite. Au moins, vous allez voir tout le taf qu'on a fait là pendant les 10 jours chez Bodytime. On nous a exploité. Hein. C'est gratuit, profitez-en. Testez si vous aimez. Gardez-le et vous aurez notre physique. Donc, le physique de Pimousse ou de PJ, choisissez. On va dire force et fun.